La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de prière. Bienvenue à vous tous qui êtes peut-être de passage aujourd'hui et qui avez voulu entrer dans ce temple. Vous êtes ici les bienvenus, vous êtes ici chez vous. C'est le Seigneur qui vous accueille. Bienvenue à celles et ceux qui regardent sur Internet aussi le culte et qui pourront le voir normalement dès demain. Qu'ils soient en France ou à l'étranger, nous sommes en communion avec eux. C'est le temps de l'été et nous avons une liturgie pour cet été avec laquelle aujourd'hui nous reprendrons tous les spontanés que vous trouverez dans le psautier français. Et donc vous pouvez au début du psautier français trouver toute la liturgie, tous les répons que nous chantons entre les prières, car la liturgie est un dialogue entre l'assemblée et l'officiant, et nous pouvons ainsi prier ensemble et être véritablement en communion. Je vous invite à chanter le premier spontané justement, « Bénissons Dieu, le seul sauveur », et je vous invite à vous lever pour chanter. Merci. Et nous louons Dieu. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie. Nous te louons, Seigneur. Tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour, et pour cela aussi nous te louons. Et pour poursuivre notre louange, je vous invite à prendre dans le psautier français le psaume 66, les strophes 1, 2 et 3. Et je crois que c'est la version B, c'est ça? Voilà, la version B.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous demande à travers les paroles du prophète Ésaïe. Dans le chapitre 58, il est écrit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les joues, renvoie libre tous ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison les malheureux sans asile, couvre ceux qui ont froid et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore, tu appelleras et le Seigneur répondra, tu crieras et il répondra, me voici. » Nous chantons. Nous présentons devant le Seigneur car nous ne pouvons malheureusement pas toujours exercer dans notre vie tous les commandements de Dieu et nous nous sommes parfois séparés de lui, éloignés. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Amen. Le Seigneur nous redit sa grâce à travers la parole des prophètes et particulièrement dans le prophète Ésaïe. Il nous dit qu'il ne se séparera jamais de nous. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. Et c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Que ces paroles nous encouragent et fassent de nous des croyants confiants en notre Dieu. Nous chantons ensemble notre reconnaissance et je vous invite à vous lever.
confessons ensemble notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner victoire sur la mort et pour nous donner l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Avant de lire le verset biblique d'aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous lirons dans la Bible quelque chose de très court. Une fois n'est pas coutume. Dans le Lévitique, au chapitre 19, dans le verset 18, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur Adonai. Estivale se prête parfois aux retrouvailles. Le temps des congés est pour beaucoup un temps pour reprendre langue, reprendre contact avec ses proches, des amis, la famille, ceux qui nous sont liés par des fils invisibles et qui nous manquent quand nous ne pouvons pas les voir.
Cette période est aussi, pour beaucoup d'autres, le moment de l'éloignement, de l'absence, et pour ceux qui restent, de la solitude. Les proches partent en vacances, laissant ceux qui restent amputés d'une partie d'eux-mêmes. Alors, ça, c'est très gentil, merci beaucoup. On prend soin de moi. Si loin, si proche, le prochain est cet autre qui nous est nécessaire. Dans le livre du Lévitique est écrit ce très court verset qui pourtant contient toute la difficulté de notre fidélité aux autres et à nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement prêté à Dieu nous parle de relations toutes plus difficiles à cerner les unes que les autres. Dieu nous demande d'obéir à son commandement, à moins qu'il ne nous recommande d'agir de cette façon pour notre propre bien. Dieu nous parle de notre relation à un prochain dont la relation n'est pas vraiment très claire. Est-ce celui qui s'approche de nous et que nous n'avons pas choisi, ce prochain? Est-ce celui qui est proche parce que nous l'aimons? Enfin, Dieu nous donne une indication pour régler notre manière d'entrer en relation avec ce prochain. Il faut l'aimer comme soi-même. Est-ce que cela veut dire comme on s'aime soi-même? Ou bien est-ce que cela veut dire qu'il faut aimer le prochain comme nous-mêmes nous sommes aimés de Dieu? Plusieurs difficultés se font donc jour dans le texte hébreu lui-même. Dans son article « L'amitié selon la Bible hébraïque », Thomas Romer écrit « Contrairement aux langues européennes, l'hébreu biblique ne fait pas de distinction entre l'amitié et l'amour. Pour décrire ces deux relations, il utilise la racine « ahab ». La langue de la Bible hébraïque ne fait donc pas, au niveau du vocabulaire au moins, la distinction entre « eros » et « agapé » ou « philia », comme cela est fait dans le grec. Entre l'amour érotique, l'amour du prochain, l'altruisme ou l'amitié. Il n'existe en effet aucun terme spécifique pour désigner l'amitié ou l'ami dans la Bible. En tout cas, en hébreu. Ce commandement d'amour recèle donc toutes les nuances de l'amour. Dans le Premier Testament, la racine Rahab est utilisée aussi bien pour une relation entre hommes et femmes que pour celle de deux hommes. C'est ce qui a fait qu'on s'est emparé de l'amitié entre David et Jonathan pour en faire une histoire d'amour homosexuel dont les enjeux étaient assez anachroniques au bout du compte. Le même terme est employé pour l'amour entre un père et son fils, mais aussi entre un esclave et son maître, ou encore entre le roi et l'immigré. Et enfin, bien sûr, Yahvé aime son peuple et Israël aime Dieu d'un amour qui se dit avec le même vocable. Ce n'est donc pas le verbe aimer harab qui nous aidera à comprendre ce qui distingue cet amour du prochain d'un autre amour. Alors peut-être que la compréhension de ce que l'on doit aimer et de quelle façon on doit s'y prendre, nous ouvrira la voie à suivre pour obéir à ce commandement ou pour respecter la recommandation qui nous est faite. Qui est ce prochain dont on parle ici? Le proche dans la Bible, c'est celui qui est du même clan, le voisin, le compagnon et bien sûr l'ami. On a envers le prochain des devoirs, mais aussi une confiance très grande. On est en droit d'attendre certains égards ou une certaine solidarité de la part du prochain. Et même si l'on est déçu par ce prochain, c'est justement parce qu'on l'estime faire partie de la même sphère que soi, avoir une connivence avec lui, que l'on a la possibilité d'attendre de lui beaucoup. Dans le livre des Proverbes,
L'ami est celui qui rend plus heureux. Mais c'est aussi celui qui a la confiance nécessaire pour être franc et dire quand quelque chose ne convient pas ou quand l'ami fait fausse route. C'est celui qui reprend amicalement, mais quand même fermement. Depuis des temps très anciens, l'ami est celui qui corrige l'égocentrisme de l'humain. Et cela est thématisé dans certains mythes, dans certains romans, dans certaines épopées, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh. Le peuple se plaint à Dieu de son roi qui est tyrannique. Il explique cette situation par la solitude du roi Gilgamesh. Gilgamesh a besoin d'un confident. Il a besoin d'un ami. Alors Dieu va envoyer Enkidu en guise de vis-à-vis qui puisse le décentrer de lui-même, qui puisse sortir le tyran de son regard sur lui-même, qu'il puisse regarder autour. Ne pas laisser l'homme seul. Voilà bien la vocation du prochain, rappelé par son existence, que l'homme ne s'est pas fait seul et qu'il n'existe pas seul. Dès la Genèse, on prête à Dieu une constatation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide, un vis-à-vis, selon ce qui est en face de lui, comme dit le texte hébreu littéralement. L'homme sans l'autre, sans le vis-à-vis, n'est pas l'homme, pas tout à fait en tout cas. Ce n'est pas seulement une mauvaise chose d'être sans vis-à-vis, mais l'autre en face de nous est une condition vitale de notre humanité. Nous ne devenons humains que grâce à celui qui est avec nous en vis-à-vis. Nous le constatons en ce moment dans nos maisons de retraite, où les personnes âgées les plus fragiles, privées de visite pendant le confinement, sans contact humain, obligées de rester seules dans leur chambre, déclinent et se laissent glisser petit à petit, faute de relations sociales. Ces personnes n'auront pas eu le virus, et c'est bien, mais peut-être mourront-elles d'isolement, de manque de l'autre, de manque d'humanité, cette humanité qui fait qu'on trouve un vrai vis-à-vis. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu est celui qui pourvoit et qui donne un vis-à-vis à celui qui est seul dans l'isolement. Dans le livre de Tobie, qui n'est pas dans notre Bible protestante, mais c'est un livre extrêmement important et très beau, Dieu envoie son ange Raphaël auprès de Tobias pour l'accompagner dans son voyage et prendre soin de lui. Dans le livre de Ruth, Noémie est seule et dans le dénuement le plus complet, et c'est sa belle-fille Ruth, dont le nom veut dire compagne, voisine, amie, qui va sauver sa belle-mère, littéralement, laquelle finissait par se faire appeler Mara, celle qui est amère, celle qui a perdu ses fils et donc son avenir. La solidarité des deux femmes est une lumière dans la misère. Elle nous montre que, quelles que soient les différences de foi, d'origine, d'âge, il est possible de s'entraider et ainsi de se rétablir. Évidemment, c'est dans le chapitre 2 de la Genèse que ce don du vis-à-vis est le plus flagrant. Thomas Romer écrit encore « Yahvé crée ensuite le vrai vis-à-vis de l'homme par une sorte de dédoublement d'Adam. Il ne s'agit probablement pas d'une côte comme le veut l'interprétation populaire et la plupart des traductions de ce passage, mais plutôt de l'idée que Dieu scinde Adam en deux pour créer deux êtres humains qui se sentent liés entre eux. Ce lien étroit est souligné dans le texte hébreu par un jeu de mots. Celle-ci, on l'appellera Isha, femme, car de Ish, elle a été prise. Le texte de la Genèse présente ici la femme comme étant le vis-à-vis.
On a souvent interprété ce texte dans la perspective du mariage et de la complémentarité des sexes, mais d'une manière plus générale, ce texte souligne d'abord le fait que l'être est un être social et ne peut vivre sans un compagnon. L'amitié, selon la Bible hébraïque, nous fait comprendre cela. Cette interprétation consonne cette fois plus avec le mythe platonicien des androgynes qui ont perdu leur moitié, coupée par Zeus en deux, qu'avec l'idée communément admise d'une hiérarchie des sexes, comme on a souvent dit, en montrant Ève tirée d'Adam et donc inférieure à lui, secondaire. Ce mythe de la coupure originelle nous renvoie au désir de l'autre qui est plus profond que moi en moi-même. Cet autre qui me révèle, qui fait de moi ce qui est vu par l'autre, qui me met en situation d'être compris par l'autre, qui fait de moi ce qui existe pour un autre. N'est-ce pas la position de Dieu lui-même, ce tout autre divin qui me permet d'être moi-même humain, quand bien même je ne saurais pas définir ce que c'est qu'un être humain. Le prochain serait donc cet autre, en relation avec moi et sans lequel ce moi n'existerait pas. Comme si le moi n'était constitué que de relations et n'était en rien une substance. Le prochain, c'est la distance, grande ou petite. La relation est donc la possibilité de me développer vers et pour les autres. C'est la possibilité d'avoir du jeu entre moi et les autres. Pour aimer son prochain comme soi-même, nous avons ici un sens tout à fait renouvelé de ce verset. Tandis que le « moi comme toi-même » posait un problème à la morale qui veut que l'on s'oublie dans l'amour pour que cet amour soit sincère et désintéressé, il prend cette fois une toute autre allure. « Aime ton prochain comme toi-même » nous lie à l'autre, comme dans un amour confiant, où l'autre nous comprend parfois mieux que nous-mêmes nous ne nous comprenons. Cette façon d'aimer oblige à l'humilité, car le prochain qu'il m'est donné d'aimer me rappelle toujours à moi-même et à ce que je ferais à sa place, à ce que je supporterais dans sa situation, à ce que je serais si j'étais lui et non pas moi. Et pourtant, il ne s'agit pas de projeter sur l'autre nos propres vues, mais plutôt de voir l'autre comme soi-même pour devenir meilleur, plus complexe, plus mesuré, plus nuancé. L'humanité s'apprend entre humains, frères et sœurs. Et même quand un grand personnage est appelé dans la Bible « ami de Dieu », comme Abraham, le père de tous les croyants qui leur ouvre la voie comme un bon patriarche montre l'exemple, ou quand il s'appelle proche de Dieu comme Moïse, l'intercesseur des hommes auprès de Dieu pour calmer sa colère, permettant à Dieu d'être plus doux et aux hommes d'être pardonnés, la relation est encore humaine et Dieu y est présent de façon anthropomorphique. Il est présenté comme un homme. Abraham et Moïse rendent plus humain Dieu lui-même. Et Dieu est leur ami en comprenant leur situation et en se confiant à eux. Car ce sont eux qui ont reçu la parole de Dieu. Bien sûr, on pourrait comprendre ce verset comme l'apprentissage de l'amour qu'on se doit à soi-même et qui nous pousserait à faire de même avec notre prochain. Mais ici, ce n'est pas moi ou l'autre qui compte de façon statique. Ce qui compte, c'est le point de vue de chacun et que chacun soit capable d'adopter le point de vue de l'autre, capable de bouger. C'est de l'empathie, me direz-vous. Peut-être, mais une empathie qui ne se limite pas à éprouver de la mansuétude à l'égard d'un autre qui resterait tout autre, mais qui me fait changer de point de vue pour vraiment grandir,
en adoptant le point de vue de l'autre, en devenant moi-même l'autre. Dieu semble dire, aime cet autre qui est obscur à ta compréhension comme tu es toi-même obscur à ta propre compréhension. Vous êtes de la même origine obscure, semble nous dire Dieu. Aimer de cette façon, c'est s'assurer sans doute d'un grand nombre d'amis, si toutefois l'autre est capable de faire le même chemin d'amour. Nous cherchons tous cette complétude dans nos vies. Et les misanthropes sont rares au bout du compte, qui n'aiment aucun autre. Ce qui domine dans notre société, dans notre monde, c'est la soif d'amour. Qu'il soit pour l'ami, l'époux, l'enfant, le parent ou l'inconnu. L'homme aime être aimé, mais il a absolument besoin d'aimer. N'avoir personne à choyer, à entourer, à écouter, c'est manquer cette possibilité d'être plus humain et celle de vivre la révélation de soi comme un autre. La recherche d'un autre à aimer, à aider, dont on prenne soin, a été critiquée comme si l'on cherchait son avantage à travers l'autre, comme si on l'utilisait pour des fins toutes égoïstes. Pourtant, quand cette dimension de la vie n'existe pas, le cœur risque de devenir sec. En nous privant de rencontres, ce confinement nous aura fait prendre le risque, au moins pour certains d'entre nous, d'être privés d'amour et de ne pas pouvoir exprimer notre amour aux autres. D'être donc privés d'humanité. Nous ne pouvons vivre humainement sans aimer, quoi qu'il en coûte. Aimer beaucoup et de façon variée, dans l'amitié, la charité, la foi ou l'érotisme, toutes ces dimensions participent de la même amitié qui nous révèle à nous-mêmes. Annoncer le salut de Dieu est donc annoncer l'amour de Dieu, pas seulement celui qu'il a pour nous ou que nous avons par lui, mais celui que nous devons avoir pour notre prochain, qui est comme nous-mêmes en Dieu, mais tout autre pour nous. Quand Jésus reprend ce commandement, il le vit en accueillant dans son amour ceux qui cherchent un salut pour leur vie, ceux qui ne sont pas certains d'être aimés de Dieu, ceux qui se sentent indignes d'un tel amour. Jésus sera avec tout cela, autre que humainement, et comme eux en Dieu. Et c'est cet amour sans jugement qui sauvera ceux qui lui demandent le salut, car il ne les sauve pas d'un point de vue moral, il les sauve d'un point de vue ontologique, il sauve leur identité même, leur vie même. Il sauve leur vie en les réhabilitant et en s'en rapprochant, sans les condamner jamais. Il les transforme en prochains. Ils deviennent importants pour sa propre humanité et sa propre foi. Alors, frères et sœurs, comme le commandement nous l'indique, aimons-nous les uns les autres, et Dieu nous révélera les uns aux autres et aussi à nous-mêmes. Nous sommes les uns pour les autres le salut de notre incomplétude. Amen.
Je vous invite à chanter ensemble dans les recueils louanges et prières le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, alors quelques annonces, je prends la parole et donc je vais d'abord remercier David Cassan qui est avec nous aujourd'hui pour ce qu'il nous a proposé à l'orgue aujourd'hui. Merci David. Le mardi qui vient, mardi 21 juillet, un culte d'action de grâce aura lieu ici à l'oratoire du Louvre pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre ami l'historien Bernard Cottret, décédé le 13 juillet au matin. Et nous aurons la dure tâche de présider ce culte. Une nouvelle rencontre va se dérouler mercredi midi, c'est la pause spirituelle. Elle aura lieu donc mercredi 22 juillet dans le temple. Et le thème général de ces pauses spirituelles cet été, c'est se relever des fléaux. Nous avons déjà parlé de Ruth et Noémie, et nous avons parlé dernièrement de Noé, qui sort de l'arche et qu'a-t-il fait après être sorti de l'arche. Et là, nous verrons une autre situation après une catastrophe. Cet été, je suis disponible jusqu'au 27 juillet pour vous rencontrer, vous écouter, vous rejoindre s'il est besoin. Et Agnès, ma consœur, sera là en août. Elle est en congé actuellement et nous lui souhaitons de très bons congés. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site internet, donc la newsletter de l'Église, pour avoir toutes les nouvelles si vous le souhaitez. Et je vous invite maintenant à participer à un temps d'offrande pour cette Église qui a vraiment besoin de vos offrandes pour remonter la pente qui a été plutôt descendante pendant tout ce temps de confinement. Nous n'étions pas ensemble. Nous avons besoin de votre soutien à tous. Merci.
Je vous invite à partager la prière pour ce monde. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui manquent cruellement d'amour dans leur solitude. Permets que nous soyons, nous autres, dans les églises, nous qui nous disons chrétiens, ceux qui les accueillent et qui leur donnent l'amour fraternel dont ils ont besoin. Aide-nous à annoncer ton amour dans ce monde, que nous soyons la famille qu'ils n'ont pas, que nous soyons les amis qu'ils n'ont pas ailleurs. Fais de la maison de prière que tu choisis pour annoncer ta parole une maison habitée par ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour nos amis endeuillés. Permets qu'ils soient soutenus et qu'ils sentent autour d'eux tout l'amour fraternel que nous avons pour eux. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui tentent par leur action sociale de briser ces ruptures sociales qui empêchent les gens d'être ensemble dans l'amitié et dans l'amour. Donne-leur l'espérance et le courage de chaque jour pour qu'ils continuent à travailler avec ceux qui sont dans la précarité. Nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas d'amour sans justice. Aide-nous à être des artisans de cette justice humaine dans notre monde pour que l'humanité grandisse. Seigneur, nous te remettons nos vies, tous nos manques d'amour, mais aussi tous ceux que nous aimons et pour qui nous voulons prier aujourd'hui. Et ensemble, comme des enfants qui s'adressent à leur Père en toute confiance, convaincus qu'il les aime, nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce temps de culte se termine. Nous avons été ensemble comme des frères et sœurs sous le regard du même Père. Nous avons été ensemble dans l'amitié ce matin et cette amitié doit déborder les murs de ce temple. Vous irez la porter à tous ceux qui en ont besoin. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous fait grâce en tout lieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter David et puis ensuite vous sortirez dans l'ordre, si j'ose dire, c'est-à-dire éviter de faire des groupes dans le temple pour qu'on évite de faire repartir cette terrible épidémie dans notre temple. Ce serait vraiment un contre-témoignage. Donc si vous voulez discuter, peut-être que dehors, avec le beau soleil qu'il y a, ce sera mieux en petits groupes et pas trop nombreux. Voilà, merci beaucoup.